financier dans cet effectif qui sera privé de nom. C'est ce que vont tenter dans des conditions difficiles de faire les Bruxellois, qui avaient déjà été en grève voici quelques semaines avant un déplacement à Moucron-Péruet. Et bien le remplir, vu que c'était une victoire surprise qui était au bout de cette semaine agitée. 0-1 à Moucron-Péruet donc. Mais vu la motivation de Saint-Tron cet après-midi, le joueur de la SE Pen qui a repéré le Racing de Genk sera transféré en fin de saison. Qui se heurte un bloc pour l'instant. Homogène en tout cas de Bruxellois, bon travail de Bellia. Cette touche. Doudou encore. Pas perdre ce cuir maintenant. Ouais, le coup de vie, c'est du bon football là, proposé par le RWDM. Armit maintenant, profondeur. Position de hors-jeu, tiens, tiens. Il est aussi étonné que nous. Pratiquement à le chercher pour la relance. Yann Dolly. Non, il en rajoute là, Emilson Junior. Il n'y avait pas de faute. Alors, faute ou pas sur Junior, il ne nous semblait pas. Un petit peu de frustration peut-être. Tout cela est spectaculaire, mais correct à notre sort. Kevi, joli duel. Aoulad, attention à sa technique, il est excellent. Récupération de Vincenzo Bellia qui fait le travail. Dans l'axe central, tant dans la défense que dans l'entrejeu du RWDM avec les Nikes, les Labor. Sortie de mêlée de Rossen et le bon travail de Vincenzo Bellia. Surprise du chef de Didier Beugny. Et sortie du jeu. Ah, ça c'est un péché mignon de Doudou. Ça pourrait faire mal car Kerry n'est plus là. Et belle récupération là de Vincenzo Bellia. Un retour de Kéré, ça s'est mal arbitré car c'est utile lui aussi cet après-midi. L'une de ses meilleures prestations pour l'ancien Tubisien. Bon comportement des hommes surprises de l'effectif du RWDM. On pense à Vincenzo Bellia. Pas de faute de main, on laisse jouer. Sortie de mêlée de Vincenzo Bellia, le nouveau venu. Petit point. Kéré qui tente une audacieuse transversale qui arrive. Bien fait ça avec Vincenzo Bellia. Et même très bien fait Bellia. Non mais c'est pas possible de rater les passes pareilles. Le public givritois qui commence à s'emporter. Mais Chivali n'a pas de position dans le jeu. Le face à face avec Bonnet. Et c'est... Est-ce que Namur peut réagir maintenant? Dans la foulée avec ce coup franc de Vincenzo Bellia. Et oui, incroyable, magnifique coup franc du numéro... Yeah.
Michel qui a mis la tête, le ballon a été récupéré par Obelia qui ouvre sur la gauche.